Quatre militaires retraités burundais ont été arrêtés dans le cadre de la réouverture du procès de l'assassinat de l'ancien président burundais Melchior Ndadaye. Ceux-ci sont présentés par les autorités judiciaires comme des auteurs présumés du meurtre. De nouveaux éléments qui enrichissent un feuilleton judiciaire vieux de 25 ans. Le pouvoir actuel n'a pas la légitimité de rouvrir le dossier. La famille du président Ndadaye, si elle a l'impression que le procès qui a eu lieu n'est pas équitable, il a le droit, bien sûr, de demander la réouverture du dossier. Mais dans le cas présent, ce n'est pas possible. Le Front démocratique burundais, parti du président Ndadaye, s'est dit satisfait de la réouverture de ce dossier. Les autorités judiciaires, elles, ont promis un procès équitable pour élucider la mort du président Ndadaye. Nous considérons qu'ils sont parmi les auteurs de l'assassinat du président Ndadaye. Mais ce sont les enquêtes qui vont clarifier leur rôle. Ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, tandis que d'autres sont encore recherchés. Melchior Ndadaye, premier président Hutu du Burundi, a été assassiné en 1993. Un événement qui a conduit le pays dans une guerre civile jusqu'en 2006.